La saison 12 d'Anne Famille est diffusée sur M6 tous les soirs de semaine à 20h30 depuis le 3 juillet et comme si y est-il déjà arrivé à plusieurs reprises, un prime va également être diffusé pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Au lieu de quelques scénettes, si y est-il dans un long format que les Le Kervelec reviennent ce jeudi 7 à 21h10 sur M6. Et le thème est très particulier puisque l'épisode est intitulé Un château en héritage. Comme le titre l'indique, Brigitte va hériter d'un château dans lequel toute la famille va s'installer quelque temps. Et si l'idée de ce décor peut faire rêver, le tournage n'a pas toujours été une partie de plaisir comme l'ont raconté les acteurs lors d'une conférence de presse à laquelle Téléstar a participé. Selon Axel U et alias Antoine, il faisait vraiment très froid. On a tourné en décembre, en plein hiver, dans un endroit presque désaffecté. Et Charlie Bruno, l'interprète de Roxane, de renchérir, c'était horrible. Tous les matins, la souffrance. D'autant plus qu'avec Jeanne Savary qui incarne Marjorie, la sœur de Roxane, elles portaient toutes les deux de grandes robes pas forcément très pratiques. Sauf pour y dissimuler d'autres vêtements plus chauds en dessous. Sous les jupons, c'était Quechua. Je ne sais même pas comment on a réussi à être fluide, a-t-elle décrit en riant, avant d'ajouter, on a aussi tourné sous la pluie, on a pris très cher certains jours. Le froid donne vraiment l'impression de faire une double journée. Olivier Mag, Jean-Pierre, a quant à lui souligné l'état pitoyable du château, sur lequel toute l'équipe de production a fait un gros travail pour le tournage. Tout est à nouveau sur le prime d'Anne Famille. Heureusement, ces conditions difficiles ont rapidement été oubliées à côté de tous les points positifs d'un tournage à l'extérieur. Si est-il génial de sortir des studios, si est-il toujours un plaisir énorme. Même si on aime nos décors, les studios limitent les choses donc on a un peu l'impression de respirer des cons étant décor naturel, a expliqué Charlie Bruno. Lucie Bourdeux, alias Chloé, a quant à elle souligné les avantages d'un format long. Ce n'est pas la même façon de raconter l'histoire. Il y a une continuité hyper intéressante à jouer. Moi j'ai adoré jouer ce personnage à l'opposé de Chloé, que ce soit dans le costume, dans les déambulations. Tout était nouveau. Un épisode à découvrir ce 7 septembre à 21h10 sur M6. Just me.